Bonjour, bonjour à vous. Comment ça va? Merci d'être là. Toujours apprécié. Aujourd'hui, on était censé vous présenter une vidéo très intéressante, bouleversante, une vérité percutante. Mais malheureusement, on n'est pas encore prêt. Il faudra attendre. Au lieu de vous présenter les choses travaillées à mi-chemin, on préfère attendre le moment opportun pour que l'équipe soit prête. Ensuite, vous présenter des éléments comme vous les aimez. N'est-ce pas? Sinon, comment ça se passe? Vous vous déconfinez progressivement, apparemment. Faut pas trop se mettre à l'aise. Hein. Je vous présenterai une vidéo très bientôt, très vite. Pour commencer, je souhaiterais vous demander de regarder, jeter un coup d'œil sur le bouton abonné. Nous savons que la machinerie, enfin YouTube est en train de désabonner les gens sans qu'on le sache. Exprès, je sais pas pourquoi. Jetez un coup d'œil, s'il vous plaît. Si vous êtes désabonné, vous savez quoi faire. Si vous n'avez pas reçu la notification, je vous encourage de vous désabonner, ensuite vous réabonner, ensuite réactiver la notification. Je ne sais pas ce qu'ils essaient de faire, mais voilà. On trouvera des moyens adéquats pour contrer tout ce qu'ils font. On n'est pas des moutons. Aujourd'hui, pendant que j'ai marché dans les rues, j'ai pensé à une vieille histoire qui m'a fait beaucoup de mal, beaucoup de chagrin. Il s'agissait d'une grande sœur, une grande sœur du quartier. Vous savez, nous, en Afrique, on appelle les aînés grands frères, grandes sœurs. On n'est pas nécessairement... c'est nos grands frères et nos grandes sœurs. C'est la fraternité. Enfin, bref. Donc, une grande sœur du quartier, elle était très jolie, je me souviens. J'étais jeune, très élégante, très gentille, très sympathique. Mais elle avait un problème. Elle était épileptique. Et tout le monde l'évitait. C'était triste. Je me souviens, à un moment, j'ai été très proche à son petit frère. Et il avait très honte. Pas honte d'elle, mais honte d'être la personne qui subit les injures, les insultes, les dénigrements du monde par rapport à sa grande sœur. Qui, en réalité, était une fille bien, qui souffrait d'épilepsie. C'est bien triste de voir des gens souffrir comme ça. On les appelle sorciers. On dit soit ils ont été sacrifiés par un oncle. Où le papa était sorcier, où on a sacrifié toute la famille. Et à un moment donné, elle a commencé à prier, vous savez, dans une église chrétienne. Elle priait beaucoup. Elle était vraiment assidue dans son travail de prière. Elle était devenue, je crois, intercesseuse ou recruteuse, gagneuse d'âme, je crois, dans cette société. Mais malheureusement, elle n'occupait jamais la place forte. Parce que je me souviens, il m'est aussi arrivé de fréquenter cette église. Très souvent, quand elle priait, devant les gens, il lui arrivait de tomber. Et quand elle tombait, personne ne venait l'aider à se positionner correctement. Les gens sursautaient plutôt pour chasser les démons. « Sors ! Sors ! » En attendant, elle se blessait, elle se frottait, elle s'épulchait. C'était pénible à voir. Le chagrin dans les yeux de sa mère. Et son petit frère que je fréquentais d'ailleurs. Triste. Et tout le monde disait qu'elle est épileptique, parce qu'elle était possédée par un démon, une sirène d'eau, une sirène d'arbre, ou sirène de forêt, ou sirène de montagne, je ne sais pas. C'était bien triste. Elle était chaleureuse, généreuse, gentille. Elle prenait soin des enfants, avec toute l'énergie possible. Elle était toujours présente, elle venait toujours aux réunions. Toujours la première, à balayer. Elle a sacrifié beaucoup de soi, donné toute sa vie à participer dans l'œuvre de Dieu, entre parenthèses. Mais tout le monde la percevait différemment. Vous voyez, quand vous faites semblant, hein, vous êtes apparemment gentil. « Ah, bonjour, ma sœur !» Mais en réalité, les démons ne sont pas encore partis. Elle tombe toujours. Oui, c'est dans la famille. C'est dur. C'est dur de voir que l'Afrique, jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens qui traite tous les épileptiques de sorciers, d'envoûtés, de sacrifiés. C'est bien triste. Et ces sujets, personne n'en parle. Hein, aujourd'hui, tout le monde a un iPhone, si pas un iPhone chinois, enfin, bref. Mais personne ne veut s'approcher d'un épileptique ou apporter de l'aide. C'est bien triste. Ça fait du mal. Cette femme était plus âgée que nous, bien sûr. Une ou deux générations avant nous. Elle était très jolie. Mais il n'y avait personne pour l'épouser ou personne. Elle était une fille correcte. Elle priait. Et je pense peut-être que sa prière est aussi liée au fait qu'elle était ostracisée par ses amis. Elle était repoussée. Personne ne voulait la côtoyer. C'était triste. Parce que les gens avaient peur d'être contaminés d'une certaine façon. Et il ne s'agissait pas seulement des gens bêtes qui n'ont pas fait l'école. Non, ne me dites pas ça. Beaucoup de gens
intellectuel entre parenthèses. Je ne sais même pas si c'est quoi intellectuel. Beaucoup de gens respectables évitaient de la côtoyer, évitaient de... parce qu'ils avaient peur d'une certaine contamination. Ou c'est un esprit, ça risque de quitter ici pour rentrer là-bas. Imaginez-vous, vous savez, il y a des gens qui pensent que quand une personne atteinte d'épilepsie tombe en crise d'épilepsie, et que comme par hasard, elle faisait de prout pendant que vous êtes là, et que vous inhalez ou respirez l'odeur, vous êtes aussi directement atteint d'épilepsie. Ah oui, hein, vous ne l'avez jamais entendu. C'est la triste réalité. Oui, il y a des personnes, jusqu'à aujourd'hui, qui pensent que si on est autour d'une personne atteinte d'épilepsie et qu'il lui arrivait de faire des pets ou des proutes, et que vous inhaliez ces pets ou ces proutes, vous deveniez complètement épileptique aussi. Une contamination spirituelle, bucco-orale, quel mécanisme chimique. Ouais. Et quand quelqu'un tombe devant eux, fait une crise, qu'est-ce qu'ils font? Ils fuient, comme des voleurs. Ils regardent à distance. Oh, il est tombé. Hé, reviens, reviens. Ils appellent les enfants. Viens, 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 viens. J'ai vécu ça au Ghana. Un jeune homme grand, beau, un jeune homme tombé devant tout le monde, fait sa crise. En plein chemin, pendant que je marchais, je pense que je partais acheter des fruits. Mais j'étais choqué de voir la réaction de tout le monde. Chacun fuyait de son côté. C'est comme s'il y avait une bombe à retardement, ou bombe atomique, ou une bombe à fragmentation. Qu'est-ce qui se passe? Ah non, attention, tu risques de... Je dis, mais ça va pas. Je n'ai pas de diplôme en médecine, mais ma partie humaine, je suis allé prêter main forte, porter assistance, essayer de le placer de sorte à ne pas se heurter, s'est blessé. Le gars était coupé, déchiré, il saignait de partout. Et tout le monde fuyait des gens en veste qui venaient de... C'était un dimanche, parce qu'ils avaient peur. C'est triste. On ne peut pas commencer à parler des développements, des satellites, si on ne parle pas des choses élémentaires. Aujourd'hui, il y a des gens, parmi nos frères et sœurs, qui croient plus en ce qu'ils ne voient pas qu'en ce qu'ils voient. C'est vrai, la spiritualité existe, mais il y a des gens qui ne vivent que pour la spiritualité, au point où ils négligent complètement le monde dans lequel on vit. Ah, attention! Eh, si tu vas dans la douche et que tu fais ça, ta journée sera pourrie. Ah, attention! Si tu prends de l'eau et que tu mets ça dans... C'est incroyable! La superstition, c'est incroyable. Il m'est déjà arrivé à ma entreprise, d'ailleurs, qu'une personne me dise « Zach, arrête, ne donne pas de l'argent à ces petits mendiants, tu sais pas ce qu'ils vont faire, ils risquent de bloquer ton argent. Tu vas vivre des difficultés dans ta vie. » Mais non, écoute, tu sais pas, ils peuvent nous voûter ça et puis voilà. Non, mais moi, je me dis, si Dieu lui-même dit qu'il faut aider les pauvres, pourquoi permettrait-il à ce que ces mêmes pauvres que tu aides en son nom bloquent ton argent? C'est écrit où? C'est quoi le verset biblique où on dit « Faites attention quand vous donnez votre argent à quelqu'un parce qu'il risque d'aller bloquer ça en affaires. » Moi, je pense que c'est plutôt l'égoïsme. Quand on n'a pas envie de donner, on trouve toutes sortes d'excuses pour ne pas donner. Parce que la parole de Dieu dit « Celui qui aide le pauvre, m'aide-moi. Celui qui prête main forte à l'orphelin, à la femme veuve, aux démunis, aux voyageurs, est en train de m'aider, moi. Je vous dirai, je ne vous connais pas. Parce que quand j'ai frappé à votre porte, vous m'avez refoulé. J'étais nu, vous ne m'avez pas habillé. » Ça veut dire quoi? Où est-ce qu'on a dit « ne donnez pas parce qu'on va bloquer ça » Beaucoup de gens ne comprennent pas. Il y a des gens qui ne prient même pas, mais qui sont bénis financièrement. Pendant que ceux qui jeûnent et prient chaque jour, mais méchants là comme ça, prient depuis 20 ans pour les mêmes problèmes économiques, les mêmes problèmes d'argent. Ça, c'est un sujet d'une autre journée. La superstition. Je ne suis pas en train de vous dire que les sorciers n'existent pas, parce que je vous vois déjà venir. Je suis en train de dire qu'on ne peut pas baser sa vie sur une fondation de superstition. Nous vivons dans un monde où il y a des gens qui naissent vivant avec la trisomie 21. Qu'est-ce qu'on fait? Ils sont repoussés, ils sont mis à l'écart, ils sont ostracisés, vous le savez. Surtout dans nos sociétés, aucun respect. Il y a des pays où on les appelle stupides. Ah, là, il y a un enfant là qui est stupide. L'enfant n'est pas stupide. Il est atteint d'une condition génétique. Ce n'est pas de la stupidité. Ce n'est pas de sa faute. Stupide, ça veut dire quelqu'un qui choisit d'être bête. Ou une personne qui consciemment décide de ne pas apprendre, avoir la connaissance. C'est ça la stupidité. La stupidité, c'est appeler une personne atteinte de trisomie 21 stupide. Ça, c'est stupide. Ou de le rejeter, ou d'avoir peur d'être contaminé. Ça, c'est de la stupidité. Ce n'est pas de l'ignorance, c'est de la stupidité. Que faites-vous? Si vous avez un enfant trisomique. Aujourd'hui, évidemment, on peut dépister toutes ces choses avant la naissance. On peut aller à l'hôpital et à travers reduire, on peut justement détecter l'enfant est atteint de trisomie 21 et faire un choix, soit de terminer la grossesse ou pas.
on peut le faire. Mais vous, dans votre position, dites-moi, je suis curieux de savoir. Ça sera peut-être l'objet de notre vidéo prochaine. Comment réagiriez-vous si vous appreniez que votre enfant, l'enfant que vous portez, est trisomique? Vous procédez, vous faites un bébé qu'il faut entretenir, parce qu'il faut réaliser, en effet, ce n'est pas facile avoir un enfant comme ça. Les responsabilités qui viennent avec, il faut être avec lui, il faut le soutenir, il faut donner beaucoup d'efforts, il faut sacrifier beaucoup de soi pour avoir un enfant qui vive une vie plus ou moins normale. Ou vous allez terminer la grossesse pour vous donner une chance de revivre, de vivre une vie pendant... N'ayez pas honte, je sais que... On aime trop la honte dans nos sociétés. Quand on parle de ça, les gens ne disent pas la vérité. Quand on parle de quoi, les gens ne disent pas la vérité. Hein, tout le monde n'a jamais fait ça. Bref, je suis curieux de savoir, comment réagiriez-vous? Vous allez chez le docteur, on vous dit ce qu'il y a à dire. Comment vous réagissez? Est-ce que vous gardez cet enfant? Ou, merci encore une fois, hein, je sais. Des fois, il faut qu'on parle comme ça. Il y a des sujets importants qui sont cachés derrière des sujets. Et la vie ne se limite pas seulement sur ça. Moi, ça me brise le cœur de voir des gens réussis, des gens qui prient, des gens qui avancent, qui refusent d'apporter assistance aux petits garçons, petites filles dans les rues, parce qu'ils ont peur d'être bloqués spirituellement. C'est quelle mentalité, ça? C'est écrit où? Écoutez, il ne faut pas mélanger la superstition à la religion ou la spiritualité. Ce n'est pas la même chose. La spiritualité, c'est autre chose. La superstition des Noirs, c'est aussi autre chose. Vous savez, dans le temps, l'homme noir, avant de faire quoi que ce soit, il partait voir son féticheur. Il veut aller planter, il voit le féticheur. On fait des incantations. Le féticheur dit, ok, tu peux aller faire. Il va planter ses histoires, ses maniocs. Avant d'aller pêcher, il va voir le féticheur. Le féticheur fait des incantations. Tu peux aller pêcher, il va pêcher. Peut-être que ça fonctionnait pour de vrai. Ou peut-être que ce n'était que du placebo. C'est-à-dire, puisque tu es convaincu que l'incantation du féticheur est réelle, est vraie, alors tu vas avec cet esprit positif, tu fais ta chasse ou ta pêche ou ton agriculture qui fonctionne parce que voilà, ta tête, ton subconscient te dit, ça va marcher. Aujourd'hui, malheureusement, pas grand-chose n'a changé. Nous sommes toujours, malgré nos grandes maisons, nos iPhones, nos tout ça, attachés incroyablement à ce fanatisme, à cette spiritualité, souvent dans le négatif. Il n'y a jamais de spiritualité. On dit, si tu donnes de l'argent à cet enfant, il va grandir et un jour, peut-être, il deviendra quelqu'un et dira du bien de toi. La spiritualité, tu juste ne donne pas, sinon on va te fermer, on va te bloquer. Ton argent ne va plus couler à flot. Tu auras des difficultés de famille. N'entrez pas dans cette maison, il y a des esprits. Ton mariage tombera en faillite ou à mi-chemin. C'est incroyable. Ok. Merci les amis. Dites-nous sur les commentaires, sur la question qui a été posée, comment réagirez-vous dans ce cas-là? Avez-vous déjà connu ce cas, dans ce cas de trisomie ou dans le cas d'épilepsie? Nous sommes intéressés à savoir, à découvrir votre expérience. Merci à vous, j'espère vous parler encore très bientôt dans une nouvelle vidéo. Au revoir.